Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très polémique. On va parler non pas d'un ouvrage en particulier, mais plutôt d'une série d'ouvrages qui ont été écrits par le sociologue britannique Ian Kershaw et qui sont consacrés à Hitler, ou plus exactement à la figure d'Hitler dans la société. En effet, Hitler pose un énorme problème aux sciences sociales, dans la mesure où il est assez difficile à définir dans l'histoire. Est-ce que c'est un génie maléfique qui est surgi à un moment donné avec une personnalité exceptionnelle et qui a réussi à bouleverser le cours de l'histoire? Est-ce que c'est le produit des structures sociales de l'époque et notamment à la fois du capitalisme et du nationalisme allemand, avec une société extrêmement militarisée, ou en tout cas avec une caste de militaires qui occupait une place disproportionnée dans la société? Est-ce que en fait Hitler est un événement, ou est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être... Est-ce qu'en fait Hitler est un événement particulier, ou est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être reproductible, un fait social qui pourrait se reproduire dans toutes les sociétés en tout temps, dans certaines conditions? L'exemple hitlérien est tellement énorme qu'il permet de le confronter à toutes les théories des sciences sociales. La vérité se trouve sans doute quelque part au milieu de toutes ces théories, mais sans plus tarder, présentons Ian Kershaw. Ian Kershaw, né le 29 avril 1943 à Oldham en Grande-Bretagne, est un historien britannique à la fois spécialisé dans l'histoire médiévale et moderne, mais qui est surtout connu pour ses travaux sur la Seconde Guerre mondiale, Adolf Hitler et le nazisme. Germanophone, il a étudié et travaillé plusieurs années en Allemagne et s'intéresse à la fois à la manière dont Hitler, l'individu, a pris le pouvoir et s'y maintenait, mais aussi à la société allemande et à sa réceptivité au nazisme. Il en voit les causes primordiales dans Adolf Hitler lui-même, la forte xénophobie traditionnelle, une société déboussolée, des élites inconscientes et autoritaires, enfin le traumatisme de la Première Guerre mondiale et la guerre civile qui a suivi. L'une des avancées marquantes de son analyse du système hitlérien repose sur la notion de domination charismatique, empruntée à la philosophie du sociologue Max Weber et à son livre La Domination. Cette forme de domination repose sur la soumission au caractère exceptionnel, sacré, à la vertu héroïque ou à la valeur exemplaire de la personne qui exerce le pouvoir. Trois caractéristiques y sont associées: l'obéissance en la personne du chef et non aux règles. Des conditions exceptionnelles d'arrivée au pouvoir, par exemple un coup d'État ou une guerre, et la rupture avec un ordre régi par la norme. L'instabilité, le chef doit constamment trouver un moyen de mettre en avant ses qualités, par exemple des victoires militaires, des plébiscites, et lorsqu'il n'y parvient pas, c'est la chute du régime. C'est le cas à travers l'histoire de plusieurs personnages, Alexandre, César, Napoléon ou Hitler. C'est un peu ce qu'on appelle des anomalies historiques et sociologiques, à savoir des personnages qui ont une telle influence sur leur époque qui finissent par complètement bouleverser les sociétés dans lesquelles ils évoluent. Bien sûr, ce n'est pas un mode de domination unique. Les personnages dont j'ai parlé ont toujours fait appel soit à la puissance de la loi ou de la tradition, ou encore à la force, de manière disproportionnée, pour s'imposer. Ce qui est commun à tous, néanmoins, c'est qu'ils ont su tous rompre avec l'ordre normatif de leur époque, c'est-à-dire avec les lois, avec on va dire, la sociologie politique traditionnelle du milieu dans lequel ils évoluaient, par exemple en rompant avec une classe d'oligarques ou en s'imposant dans des projets qui étaient considérés jusque-là comme impossibles. Dans le mythe Hitler, Kershaw analyse notamment la correspondance des opposants à Hitler, ou l'attitude dans certaines institutions, par exemple des membres du SPD allemand ou l'Église catholique. Donc dans leur correspondance, ces gens-là notent bien la nature sont bien conscients de la nature du régime nazi et de ses crimes. Ce qui est intéressant, c'est la vision qu'eux-mêmes on dit Hitler, puisque ils constatent notamment, ils sont témoins de ce qui se passe dans la société, et ils se rendent compte que la figure, si le parti nazi, très loin de faire l'unanimité, en tout cas Hitler lui, quasiment
une figure révérée par tous les Allemands à certains moments. Et pas tellement quand il fait ses coups contre les Juifs, quand il tient un discours antisémite, ça marche assez peu en fait. Il a même tendance à plonger dans ses scores électoraux dans les années 20-30, quand il parle des Juifs. Par contre, ce qui fait l'unanimité, c'est sa personnalité d'aventurier, son nationalisme, son charisme et sa capacité en fait à répondre aux attentes des publics qu'il rencontre. C'est notamment quelqu'un qui voyage beaucoup en Allemagne en utilisant, notamment pour les élections, c'est une des premières personnalités à utiliser l'avion. Et il est capable aussi bien de convaincre des milieux catholiques et conservateurs bavarois que d'aller parler plutôt, qui sont plutôt catholiques, que d'aller parler aussi bien à des ouvriers en Thuringe ou dans le nord protestant de l'Allemagne, deux sociologies assez différentes. Et à chaque fois, il arrive à parler à ces Allemands et à venir en face de leurs attentes et quasiment devenir une figure mythique ou figure de révérence. Alors les opposants à Hitler sont pas naïfs du tout sur ce qui se passe. D'ailleurs les Allemands, de manière générale, savent ce qui se passe, hein. Même il y a de l'information de manière clandestine, hein, circule. Notamment, on sait ce qui arrive aux personnes qui sont handicapées mentales, qui sont les premières à subir un plan d'élimination globale à l'échelle du Reich. Et malgré tout ça, Hitler arrive à remporter l'adhésion des masses. We can't generalize about the entire population. After all, Hitler, in free elections, didn't win more than a third of the vote. So two-thirds of the German people were not really receptive to this message until he got power. But there were certain things that he stood for which were attractive to a wider sector of the population than just the people who voted for the Nazi Party. His stance of wanting to remove the stain of the Versailles Treaty, this treaty of 1919, in which the Germans felt they'd been very badly treated. The end of the war had to be surmounted by German recovery, by building up a strong Germany again. This was a feeling that went way beyond just the Nazi voters themselves. The notion that the left, the socialists, the communists, had to be excluded from a new German people's community, a Volksgemeinschaft, this too was a sentiment that went way beyond the hardcore of Nazi support. Finalement, c'est pas tellement. Hitler devient un peu désincarné, il devient une image de communication pure. C'est vraiment un personnage qui maîtrise sa communication de manière extrêmement avancée. Alors, les opposants d'Hitler le voient, ça. Le démon, d'ailleurs, ils sont pas. C'est pas des gens qui sont sensibles à sa propagande. Donc, par contre, ils expliquent que vraiment, eux-mêmes, ils sont perturbés parce que, grâce à sa personnalité, on va dire, d'aventurier, de personnage qui favorise toujours les solutions les plus radicales et en plus. De fait, il rencontre succès sur succès dans tout ce qu'il entreprend. Même ses opposants finissent par être désarmés en fait, et par dire effectivement, on peut le critiquer, mais ce qu'il arrive à faire est extraordinaire. Et c'est vrai que c'est un personnage exceptionnel. Voilà. Sauf qu'en fait, on finit plus par parler d'Hitler, mais on finit par parler d'une image idéalisée d'Hitler, une qu'il essaie de projeter grâce notamment à sa propagande et au bon docteur Goebbels. Et finalement, ça fait qu'on ne voit plus le personnage derrière. Et c'est vrai que le personnage d'Hitler est finalement assez médiocre. De manière générale, la bureaucratie allemande agit plus de sa propre initiative, qu'en répondant à un vrai plan d'ensemble. Hitler exprime donc
des préférences qui sont généralement assez vagues ou des objectifs très généraux, du genre on va créer un grand Lebensraum germanisé à l'Est. Et il laisse ses sous-fifres, qu'il a mis en concurrence, donc essayer de répondre à ces attentes-là. Et donc souvent c'est le bazar, puisque personne ne se coordonne et tout le monde se tire dans les pattes. Donc bureaucratie féodale nazie, le pire système de l'humanité. Bon. Ça fait un petit peu réfléchir sur, ce que, un pouvoir de ce type, en fait, un pouvoir charismatique qui confisque toute la légitimité, peut créer comme désordre et finalement même devenir un simple processus de destruction d'une société. En fait, parce que Hitler, concrètement, même ses derniers actes en tant que Führer du Reich allemand, c'est d'ordonner la destruction de Berlin, ordonner la destruction de l'Allemagne en faisant sauter, en brûlant les champs, en faisant sauter toutes les voies ferrées, en détruisant toute l'infrastructure, en laissant la population mourir de faim. Bon, alors on dira, il est fou en 1945, mais quand même, le processus avait bien commencé avant. Well, I took this notion of working towards the Führer from a speech by a routine speech by a Nazi functionary in 1934. His name was Werner Willickens. He's not really very important, but in this speech, he said it's the duty of every German now to work towards the Führer in the way that he would wish. In other words, to anticipate what his wishes should be and to work to try to implement them. And so I think what we have here is a notion which helps to explain how that regime functioned. Hitler didn't need to give out a stream of orders all the time, say do this, do that, do the other. He stood for a certain number of unchangeable ideological imperatives. One of them was remove the Jews. What did that mean? It meant different things to different people at different times. So you had to seek ways in which to follow out this imperative of removal of the Jews. And so it's a link between Hitler and the workings of the regime, without Hitler having to command everything all the time, this notion of implementation of the Führer's wishes without actually waiting for an order. Contrairement à une croyance répandue, l'Allemagne nazie est probablement le système le plus bordélique qui soit en termes d'organisation. Hitler a appliqué l'adage « diviser pour régner » et donc il a organisé l'appareil d'État en une espèce de bureaucratie tentaculaire féodale, enfin des bureaucraties tentaculaires féodales, qui se tirent toutes les unes sur les autres, avec par exemple tout un segment de l'appareil d'État qui est dirigé par Göring, un autre par Bormann, un autre par Speer, un autre par Goebbels, et en s'étant créé plein de dauphins comme ça qui n'arrêtent pas de se tirer dessus. Et en fait l'Allemagne est vraiment de plus en plus désorganisée au fur et à mesure que la guerre progresse, et malgré tout en plus tourné vers l'économie de guerre, donc les institutions classiques, la justice, tout ce qui est l'état civil, etc., tout se désorganise en fait de plus en plus, et tous les processus de décision ne sont plus encadrés par la loi, mais ils remontent tous en fait au Führer et à la légitimité qui vient du Führer. Le Führer devient la seule source en fait de légitimité dans une prise de décision. You've got a whole number of things, and at the center, you've got the figure of Hitler himself, and the fact that the loyalty towards Hitler itself plays a part. Whether it's simply from the point of view of that these people, such as Bormann or Himmler or Goebbels, they bought in their lot with Hitler, they can't easily now detach themselves from him, although one or two tried near the end. I gave in the book several examples of people who say at the end, well, the only way we can end this war is to surrender, but we can't do that because that would be to desert the Führer in his hour of need, and therefore we have to keep on fighting. En définitive, Hitler règle de plus en plus le pays comme une espèce de monarchie féodale bureaucratique. Un endroit où il exprime des volontés vagues, où il est l'arbitre, et où ses subordonnés essaient de devancer ses désirs et de se conformer à ses,
à ses décisions, dont il est de plus en plus désengagé d'ailleurs. Et son rôle à lui se limite à être un pur objet d'adulation et de communication. Un objet qui permet ensemble de fédérer ensemble des groupes sociaux entiers, le peuple allemand, autour de sa figure. C'est lui qui fait tenir tout le régime et l'ensemble dans ses fondements. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Kershaw montre aussi, notamment dans le livre Le Miss Hitler, qu'à partir de 1942, tout ce mode de domination charismatique commence à s'effondrer. Notamment parce que le peuple allemand, il expérimente toutes les difficultés de la guerre, et en particulier, à partir de Stalingrad, il y a un retournement qui se fait dans l'opinion allemande sur la propagande qu'ils reçoivent. Ils reçoivent énormément de propagande, Hitler lui-même intervient pour vanter le courage de l'armée, et pourtant les pertes s'accumulent, les défaites s'accumulent également, et donc les nazis reculent de plus en plus à l'est, ce qui finit par mettre à mal en fait tout l'appareil de domination charismatique, qui est dépendant évidemment des succès et des victoires. C'est une course en avant complètement désordonnée vers ça. Et donc Hitler, à partir de là, il perd beaucoup de soutien dans le peuple allemand. Mais quand je parle de beaucoup de soutien, notamment les correspondances du SPD permettent de voir que le peuple allemand finit par complètement être dans le rejet de ce qu'il est, mais aussi du système nazi, dès 1942-43, et continue essentiellement de se battre, et de résister, et de soutenir le régime, plus par la peur existentielle de la contre-attaque soviétique, et notamment la revanche qui viendrait avec, en raison des exactions qui ont été commises sur le front de l'Est, dès 1941 et 1942. Nazi leadership, not just the immediate leadership around Hitler, but then the subordinate leadership in the regions, they had, say, burnt their boats with Hitler. They'd all done terrible things, or they were involved in the doing of terrible things. They felt that they had nothing to lose by not fighting on. On top of that comes then the fear of the Russians in the East, and there it's plain that not just towards the Jews, but towards the Soviet population, horrendous things had happened. And therefore the German population in general, and the Nazis in particular, knew that they had nothing to gain by losing the war if the Soviets were going to occupy Germany. Le peuple allemand se fédère finalement plus dans sa peur de l'intervention soviétique et de l'invasion qu'autour d'Hitler. À partir de là, Hitler devient même plutôt un repoussoir. Le mensonge de cette domination charismatique, la figure de cet objet de communication est fêlée, et donc Hitler devient l'inverse de ce qu'il était. Il devient un démon, un monstre, un rejeté, et l'opposition en tout cas dans la société allemande se multiplie, l'adhésion en tout cas au régime nazi s'écroule. Voilà, donc l'interprétation de Kershaw reste extrêmement intéressante, extrêmement pertinente, à la lisière entre les théories structuralistes et les théories un peu plus libérales ou individuelles qui insistent sur le rôle du personnage. Je dirais que Kershaw penche un peu plus sur le côté structuraliste, ce en quoi je le rejoins plutôt. C'est une œuvre qui continue de faire extrêmement polémique. Le personnage d'Hitler dans la sociologie continue et continuera, je pense, longtemps à faire polémique. Est-il une anomalie ou est-il quelque chose produit d'une structure sociale qui pourrait être reproductible dans un contexte un peu similaire? Une bonne question à se poser. J'espère que ce sujet vous fera réagir. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu. Et je vous dis à bientôt sur Respublica Universalis.